représente à l'esprit, sans ça on ne comprend pas, c'est qu'à ce moment-là, au moment où il écrivait ça, eh ben, il était sourd. Beethoven? Beethoven est sourd. Et sourd des deux oreilles. Ouais. Ouais. Ouais, mais quand même, c'est pas avec ses oreilles qu'il écrivait, hein? Beethoven? Beethoven? Ah ben non, j'ai jamais dit ça. Il écrivait comme tout le monde, Beethoven, avec ses doigts. C'est pas parce qu'il était sourd qu'il pouvait pas écrire. Non. Alors, faut pas dire ça. Voilà ça. Eh ben, ce que vous dites. Quoi, il était pas sourd, Beethoven? Si. Alors? Mais c'est pas ça qui l'empêchait d'écrire. Justement, c'est ça qui est extraordinaire. Extraordinaire. Mais mon pauvre ami, moi qui vous parle, comment il faut que j'écrive? Est-ce que vous savez ce que je fais? Non. Eh ben, je me bouche les oreilles. Pour ne pas entendre les autos, le raffut qu'ils font dans la rue, je les bouche. Les oreilles? Les oreilles. Bon, ça prouve que vous n'êtes pas Beethoven, voilà tout. Moi? Vous? Oui, parfaitement, ne faites pas la bête. Beethoven, moi? Vous, oui, pas Beethoven, vous, bien sûr. Mais je ne vous ai jamais dit que j'étais Beethoven. Je sais bien que vous n'êtes pas Beethoven. Seulement quoi? Seulement vous faites comme lui. Pour écrire? Pour écrire, oui, vous l'imitez. Je bouche les oreilles. Ouais. Oh ben naturellement, c'est moi qui vous l'ai dit. Mais de là à conclure que je me prends pour Beethoven, dites. Oh, il n'y a qu'un pas. Oui, mais il y a un pas. Et un pas de géant, hein. Parce que vous avez beau vous boucher les oreilles pour écrire, eh ben ce que vous écrivez, hein. C'est pas de la musique. C'est pas de la musique. Non. Non. C'est plutôt une lettre à ma petite sœur, par exemple. Eh oui. Remarquez. Ah, c'est joli quand même. Oui. Mais c'est pas de la musique. Non. Je ne vous le fais pas dire. Non, vous ne faites rien dire du tout. Je dis ce que je veux. Que vous dites? Est-ce qui prouve que j'ai raison? C'est que Bach, hein? Bach? Jean-Sébastien! Oui, Bach, eh bien. Eh bien, il n'était pas sourd. Non, mais Bach, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. C'est un classique. C'est un classique, Bach. Bach, tandis que Beethoven. C'est le contraire. Voilà, c'est le contraire. Beethoven, Bach. Enfin, pas exactement. Non. Bach. Le contraire. De Beethoven. Bach, non. Non. C'est de la musique. Ben, tous les deux, hein. Ah, c'est de la musique. D'ailleurs, Beethoven lui-même, quand il était beaucoup plus jeune, quand il avait dans les... Oui, quand il avait l'âge de Bach. Eh ben, Beethoven lui-même, il n'était pas sourd. Du tout. Du tout. À cette époque-là, il aurait entendu voler une mouche. Ou bien plus que ça, 2, 3, 4 mouches, il aurait entendu voler. Oh, surtout qu'il y en avait des mouches à cette époque-là. Oui. Ouais. Mais enfin, tout ça, c'est de l'histoire. C'est de la musicologie. On va pas discuter. Non. Du moment que nous, on n'est pas sourds, eh ben... Eh ben... Eh ben...